Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal en ce lundi 8 mai 2017 à 19h au bâtiment du Parc des Saphirs. Considérant que le Conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur, en présence de M. Jean-Philippe Lemieux du district 1, Mme Christiane Auclair du district 2, M. Jean-Philippe Mathieu du district 3, M. Alain Dufresne du district 4, M. Louis-Georges Thomassin du district 5, en l'absence de M. Charles Durocher du district 6, formant quorum sous la présidence de la mairesse, Mme Juanita Daniele, en présence de la greffière, Mme Maud Simard, et du directeur général, M. Marcoux. Vous pouvez procéder. Oui, merci, Mme la greffière. Alors, l'ouverture de la séance. Alors, la séance est ouverte. L'adoption de l'ordre du jour. On a des petites modifications à apporter à l'ordre du jour. Donc, on va retirer le point 18, qui est l'adjudication du contrat pour des travaux d'aménagement de bureaux à la mairie. Et on va reporter l'embauche de 8 pompiers, qui est au point 29. Maintenant, on va passer au vote pour l'adoption de l'ordre du jour tel que mentionné. Je vote pour. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2017 et de la séance extraordinaire du 5 mai 2015. On passe au vote pour l'adoption de ces procès-verbaux. Je vote pour. Pour. L'adoption des comptes. Monsieur Thomassin, je vais vous céder la parole pour nous donner quelques explications. Merci. OK, dans les comptes, ce soir ici, j'avais commission scolaire, mon bar, il y avait deux factures, entente pour les réparations au sous-sol lors du transfert des colis pour un montant de 7 828,75. Et ensuite, il y avait, concernant le Trivant, l'utilisation, si on veut, de l'école de Trivant pour le 1er juillet 2016 et 31 décembre 2016 pour un montant de 16 558,78. Ensuite, Compass Minéral Canada, l'achat de sel de rue. La dernière réunion, j'avais dit ça la dernière fois, mais il y en a d'autres. 11 213,13. Et puis, encore une fois, transport en vrac, Montmorency, pour transport de neige pour un montant de 3 398, et le brunch de bénévole pour un coût de 5 523 qui a eu lieu au club de Valfalbin. Merci. Notre total, Louis-Georges, est 408 162,87. C'est possible. C'est bien ça, oui. Alors, on va passer au vote pour l'adoption des comptes. Pour. 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 Alors, au niveau des suivis, des correspondances, pour ma part, j'ai reçu une correspondance de la part du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et aussi député de Vio. Donc, la municipalité, la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval s'est vue assez performante en 2016 au point d'avoir une subvention. Une somme qui lui est versée de 69 175,02, c'est ce qui est un petit peu plus élevé, soit 5 000 de plus qu'en 2015. Il s'agit d'une performance qui est en lien avec le recyclage. Alors, pour ma part, ce soir, évidemment, on le sait, hein, notre rivière Montmorency, on la surveille de très, très près. On surveille aussi le lac Poulain. Toutes les rivières du Québec, ou à peu près toutes les rivières du Québec, sont actuellement sous surveillance. Mes premiers mots là, vont aller aux personnes qui sont sinistrées actuellement, qui ne peuvent résider chez eux, qui sont évacuées. Évidemment qu'on a une pensée particulière pour eux ce soir en tant que ville où on est traversé par une rivière qui doit être surveillée. Moi, je suis en contact avec le DG qui est en contact avec la sécurité publique. Puis, on se tient au courant, puis on est prêt à agir. Soyez assurés que le service de sécurité publique est prêt à agir s'il arrive quoi que ce soit, si on a des signes qui peuvent nous apporter vers une catastrophe quelconque. Par contre, ce que je dois vous dire, c'est que on a la météo de notre côté. Il fait quand même assez frais, donc la neige ne fond pas trop vite.
ce qui aide le débit à ne pas être trop élevé dans la rivière Montmorency. Écoutez, ce soir, on va vous présenter les états financiers. On va les déposer tout à l'heure, en début de séance. Toutefois, on va les présenter juste avant la période de questions. Donc, si les gens ont des questions, ce sera plus frais à la mémoire, ce sera plus facile de faire un lien. Je vais vous le dire tout de suite, d'emblée, je vous l'annonce, c'est pas exactement ce qu'on avait escompté et ce qu'on avait planifié en novembre 2015. Ceci étant dit, c'est sûr que vous allez avoir l'heure juste. On l'a toujours fait, on va continuer à le faire, on va vous donner l'heure juste là-dessus. On avait prévu en 2016 la vente de terrains pour un montant de 1 million de dollars. Les terrains étaient évalués à 1 million de dollars. En octobre, on a reçu une offre pour ces terrains-là, mais à la moitié de la valeur. Donc, moi, je trouve important ce soir de vous dire que cette offre-là a été mise de côté parce que ça aurait été facile de dire oui, on accepte cette offre-là à la moitié du prix. Ça nous aurait permis, nous autres, de sortir ici ce soir avec un beau surplus, mais non, c'est pas ça qu'on a fait. C'est pas ça qu'on a fait. On a dit, écoutez, la valeur de ces terrains-là, c'est X, puis on pense qu'on peut avoir tout près de cette valeur-là. Donc, ça nous aurait permis d'éviter de vous annoncer un déficit de 400 000 ce soir. Mais parfois, il faut prendre les meilleures décisions. Puis, dans les circonstances, on a jugé qu'il valait mieux attendre et vendre ces terrains-là. Et ce qu'on a fait la semaine dernière, on a fait réévaluer les terrains et ils ont même pris de la valeur. Donc, je pense qu'on a pris une décision qui a été sage. Les terrains ont augmenté d'environ du tiers de leur valeur. Donc, notre directeur général est actuellement en train de travailler très, très fort pour tenter de vendre ces terrains-là. Donc, moi, ce que je trouve important de vous dire, parce que la plupart des gens qui font de la politique sont là pour un 4 ans déterminé, mais nous, notre équipe, toute l'équipe en place, et même Louis-Georges inclus, on est là pour le futur des citoyens de Sainte-Brigitte-de-Laval. Pourquoi? Parce qu'on a diminué la dette. Depuis qu'on est en place, la dette a diminué. Encore une fois cette année, la dette diminue. On a les chiffres qui vous seront présentés tout à l'heure. Parce qu'on travaille pour nos enfants et les petits-enfants qui vont suivre pour ne pas laisser un héritage à ces enfants-là qui va être constitué uniquement d'une dette. Donc, pour l'année 2017, vous allez voir aussi, on a le dépôt des états comparatifs au 31 mars qui nous ont été déposés aujourd'hui. Et les perspectives sont tout de même assez bonnes. Il faut dire qu'au niveau des dépenses, les dépenses sont scrutées à la loupe. Ce qui était fait aussi en 2016, parce que les dépenses ont été exactement ou un petit peu en bas de ce qui était prévu au départ. Donc, vous aurez là, la présentation tout à l'heure. Bon, au niveau environnemental, là, je ne parlerai pas trop ce soir de l'environnement parce que on est un petit peu mal organisé. On n'était pas tout à fait à jour. Là, puis on remercie notre greffière de nous avoir trouvé de l'eau parce qu'on risque d'en avoir besoin. Alors, il y a des choses qui se produisent, il y a des avancements. Je vois M. Cossette qui est ici ce soir au niveau du RCI. Il y a des choses qui ont été faites. Puis je félicite le service de l'urbanisme qui ont travaillé d'arrache-pied à présenter un mémoire, à travailler sur des documents qui ont apporté des assouplissements, encore une fois, là, récemment, au RCI. Sincèrement, on fait des jaloux dans la MRC parce que notre service de l'urbanisme a développé une expertise et c'est la référence au niveau de la CMQ. La semaine dernière, plusieurs d'entre nous, on a participé aux assises de l'UMQ
Pour ma part, j'ai participé à plusieurs ateliers politiques, notamment un qui portait sur les médias sociaux, et c'était animé par Mme Michèle Blanc, qui est une spécialiste en communication, et c'était fort intéressant. On a appris des choses à ce niveau-là, et il faut apprendre hein, souvent à prendre du recul, parce que les médias sociaux, c'est facile de répondre systématiquement, mais il faut prendre du recul, puis aussi de sensibiliser les gens à aller vérifier l'information à la source, parce que c'est pas toujours la vérité qui est écrite dans les médias sociaux. Donc, il faut prendre ça avec parcimonie et surtout d'aller valider les sources d'information. Aussi, je suis bien fière d'annoncer que j'ai été nommée membre de la Commission d'aménagement et des transports de l'UMQ, qui va notamment travailler sur le projet de consultation, des nouveaux modes de consultation dans les municipalités. Et finalement, j'aimerais souligner nos gagnants à nous, nos gagnants de Sainte-Brigitte-de-Laval, parce que la semaine dernière avait lieu la deuxième édition du gala de reconnaissance des étoiles de la Jacques-Cartier. Nos quatre finalistes de Sainte-Brigitte-de-Laval n'ont peut-être pas remporté la palme au niveau de la MRC, mais pour nous, pour la ville, ce sont des gagnants. Ce soir, je tiens à féliciter sincèrement encore une fois les bénévoles, pour la catégorie bénévole, les membres de la coop d'administration, de la coop santé Sainte-Brigitte-de-Laval, dans la catégorie organisme à but non lucratif, matinée, mère-enfant, dans la catégorie personnalité d'affaires de l'année, Mme Laurie Thibault-Julien pour Recto Verso, et dans la catégorie personnalité sportive de l'année, Louis-Philippe Thomassin. Encore une fois, félicitations à tous ces gens. Pour nous, vous êtes nos gagnants. Et des candidatures, de la cinquantaine de candidatures reçues à la MRC, bien 15 % provenaient de notre ville. Donc, c'est très dynamique à Sainte-Brigitte. Et je vous encourage à continuer. Alors, merci. Je cède la parole à M. Lemieux. Merci, Mme la mairesse. Je veux juste faire un petit bout de chemin sur votre... votre discours, Mme la mairesse. Je vais vous parler des terrains. Il y a des terrains en face du terrain de soccer. Ça fait partie là, de la banque de terrains qui était à vendre. Puis un certain matin, il y avait une pelle mécanique qui était là pour arracher toute la section d'arbres fidèle aux plans et devis. Puis ce matin-là, Wanta, elle y a été. Elle a dit « Wow, non! » Là, les arbres, là, vous les laissez là. On avait une greffière, des gens au service des finances, ils s'arrachaient les cheveux sur la tête à cause de ça. Mais c'est parce que le feeling puis l'écoute des citoyens de notre mairesse ce matin-là, que ça a fait aujourd'hui, ça... c'est sûr que c'est plus compliqué. Après ça, là, il a fallu qu'ils prennent du sable ailleurs. Puis il a fallu après ça que les terrains à vendre, et bon, les promoteurs, il y a mieux des terrains plats, puis qu'il y a plus de place à construire, puis là, bien, ils se trouvent avec un boisé. Mais il y avait des citoyens qui ont déposé un mémoire et qui ont dit « Nous autres, là, on aimerait ça le garder, ce boisé-là, parce que ça nous bloque de la lumière du terrain de soccer. » Puis vous essayerez de vendre des terrains dans une année où est-ce qu'il y a un moratoire du RCI. Pas facile. Mais à cause de ce geste-là de notre mairesse, aujourd'hui, ces terrains sont constructibles à cause qu'il y a un boisé présentement. Puis ils ont pris de la valeur. Fait que le move que Wanita a fait ce matin-là, ça nous a enrichi collectivement. L'argent est là, elle est en actif, elle est en terrain. Elle vaut plus cher aujourd'hui, beau terrain boisé, devant, presque en billet ici, avec ce centre-là, multifonctionnel, terrain de soccer, piste cyclable, passerelle pour aller dans le quartier en arrière, tout juste à côté, sentier pédestre qui va sur la rivière au Pin, c'est fantastique, des terrains d'une haute valeur. Puis c'est pas vrai qu'on va donner ça au premier arrivé à vendre ça à rabais. C'est de la belle consolidation, c'est de l'urbanisme de grande qualité. Puis sérieusement, moi je suis fier qu'on en soit aujourd'hui avec ça, à cause de tout le contexte qui tourne autour de ça. Fini de mon aparté, je vais faire mes suivis classiques.
comité de circulation. Il y a une demande citoyenne, justement, demandait un stop au coin de la rue des Millicots. Ça, c'est le prolongement de Monard, là, à côté du parc des Fleurs, coin des Émerocales. Donc, cette demande-là a été analysée, puis le comité recommande l'installation, en effet, d'un stop à ce niveau-là pour la sécurité là, des usagers. L'OBV Charlebois-Montmorency. Le directeur général m'a appelé la semaine passée, j'étais aux assises de l'UMQ, concernant une demande de la CMQ qui veut mandater l'OBV pour continuer de faire des tests d'eau sur notre territoire. Donc, il y aurait un 250 tests d'eau ce printemps, puis un autre 250 à l'automne, le tout dans le bassin de la Montmorency. Il voulait savoir si on était encore prêt là, pour cette demande-là. Puis, en fait, ça tombe très bien parce que ça fait suite même aux recommandations puis aux orientations préconisées par le Comité d'environnement et développement durable, qui, eux, disent « plus on a de données sur la qualité de notre eau puis nos puits privés, bien, plus on va avoir le pouvoir comme ville d'agir à la source s'il y a des contaminants, par exemple, s'il y en a. » on va avoir des données sur la qualité de l'eau également de la Montmorency. Et puis, si par exemple, il y a des fosses septiques non conformes, mais on va être à même de pouvoir agir parce qu'on va avoir des données. Suite du CCADD, justement, donc, le comité il avait fait une recommandation à la ville pour, au conseil et à la ville, bien sûr, pour mettre en place un plan stratégique de développement durable. Donc, ça a été fait. L'orientation a été incluse au plan stratégique de la ville. Puis, présentement, le service d'aménagement du territoire, bien, il est en processus d'analyse en vue d'un accompagnement pour, entre autres, élaborer une demande de subvention à la Fédération canadienne des municipalités pour le Fonds municipal vert dans ce cadre-là. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Moi, je m'attends là, à ce que la démarche en vue d'accoucher d'un plan stratégique de développement durable, on en a au moins encore pour 2 ans. C'est très complexe, c'est long, ça prend un diagnostic du territoire qui comprend pas juste la question environnementale, mais citoyenne, économique. Et puis, il y a beaucoup de consultations en amont dans le cadre d'un plan comme ça. Donc, c'est majeur. Peu de municipalités présentement le font. Mais c'est vraiment dans l'ère du 21e siècle, l'ère des nouvelles villes, les villes intelligentes, puis là, on embarque là-dedans. Donc, je suis très fier de pouvoir avancer dans cette optique-là. Vous savez, ça fait maintenant 4 ans que je suis élu, ou à peu près. En fin de semaine, ça a été la 4e fois où j'ai assisté aux assises de l'UMQ. Une ville, c'est comme une plante, OK? À notre arrivée, la plante, là, elle filait pas. Elle était pas dans un bel état. Pas assez arrosée. Les feuilles avaient poussé trop vite. Trop de soleil dans le bord. Fait que nous autres, on a changé le terreau. Hein? On a fait des changements, beaucoup. On a arrosé. La plante a repris vie. Puis elle a changé de couleur. Puis elle a refait des bourgeons. Puis pour la première fois depuis un long moment, ça. Puis les bourgeons puis les fleurs, là, c'est comme le reflet de plusieurs éléments d'une ville. Entre autres, c'est l'ouverture vers les autres. C'est l'ouverture vers les autres villes, les autres municipalités, les autres régions. C'est la notoriété d'une ville, ça passe par la reconnaissance puis le respect des autres organisations envers la ville. Ça commence à la MRC. Wenta a fait un job, un excellent job à la MRC pour la question de respect, puis le changement de mentalité, puis la ville a pris pied, on s'est enraciné. C'est plus du tout la même chose, là. Vraiment. Là. Il y a un changement de culture totale. Ça continue à l'UMQ. Nous, à la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, on fait partie des municipalités locales, du caucus des municipalités locales à l'UMQ, puis même Wenta, elle, est dans le comité directeur de ça. La FCM, la FQM. C'est les liens qu'on crée avec les acteurs du milieu, avec la MRC, la CMQ, les organismes de bassin versant, les groupes d'entrepreneurs dynamiques, des commerces qui vont propulser notre ville vers l'avant. Fait que la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, ça a atteint ce stade-là. Un stade de maturité, puis on est prêt au prochain défi. Nos futurs entrepreneurs, nos entrepreneurs présentement dans le futur, moi, je m'attends à ce qu'ils soient présents, ils sont pressentis pour avoir des prix. Ça a déjà commencé. Gala reconnaissance, hein, que Wenta en parlait tantôt, les étoiles de Jacques Cartier. Je m'attends à ce que nos différents services
soient récompensés dans le futur pour les projets ambitieux qui vont faire partie de notre vision et qui reflètent la fierté renouvelée qu'on a maintenant à Sainte-Brigitte-de-Laval. Merci. Bravo, Jean-Philippe. C'est inspirant. Moi, de mon côté, je vais vous parler... Est-ce que mon micro est allumé? Oui. Je vais vous parler des assises où j'ai assisté. Bien sûr, on a reçu beaucoup d'informations sur la nouvelle loi qui, enfin, reconnaît les villes et les municipalités comme des gouvernements de proximité. Nous, les élus des villes, nous sommes vraiment les représentants les plus près de vous. Cette loi prévoit naturellement plusieurs modifications, entre autres au niveau de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en matière de zonage et de lotissement, et particulièrement sur la façon de consulter les citoyens en matière d'urbanisme. Aujourd'hui, les consultations publiques se font lorsqu'une modification réglementaire est nécessaire pour réaliser un projet. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit l'ouverture d'un registre et lorsqu'on a suffisamment de signatures, là, à ce moment-là, on utilise la loi sur les élections et les référendums pour poursuivre la consultation. Avec la nouvelle loi, on propose pour Montréal et Québec d'abolir cette façon de procéder, soit d'utiliser la loi sur les élections et les référendums, et de remplacer ces procédures par une nouvelle façon de consulter les citoyens, soit de les consulter en amont des projets et de travailler avec le citoyen à la confection du projet, si vous voulez. Donc, on travaille tout au cours de l'élaboration du projet avec le citoyen et on le consulte. Lorsqu'on arrive au moment de la modification réglementaire, on doit faire presque des redditions de compte et de prouver qu'on atteint les objectifs du plan d'urbanisme et pourquoi on fait cette modification-là. Donc, c'est une nouvelle approche, une nouvelle façon de travailler. En ce qui concerne les villes de notre taille, on va autoriser l'abolition des référendums dans des cas très particuliers et vraiment, la loi va continuer de s'appliquer comme elle s'applique actuellement, mais comme par exemple pour notre noyau villageois, on va pouvoir adopter un programme particulier d'urbanisme, vous consulter, prouver que c'est vraiment la solution pour notre village ou notre noyau villageois et par la suite, arriver à la réalisation du projet. On prévoit naturellement plusieurs modifications au niveau de la fiscalité municipale, au niveau de la façon de faire des appels d'offres. On prévoit d'adopter cette loi au cours de l'été. C'est sûr qu'il y a encore un peu de réticence à abolir les référendums, mais on verra ce qui va en advenir suivant les événements au cours de l'été. Les assises ont également porté beaucoup d'intérêt à l'implication des femmes pour les prochaines élections. Il y a eu des témoignages extraordinaires de femmes en pouvoir, dont je dois absolument vous en parler, Mme Sophie Brochu, qui est présidente de Gaz Métro, qui a fait une allocution remarquable, inspirée, et moi, je n'avais jamais entendu une telle allocution là, pour le pouvoir des femmes. Ce qui m'amène à vous parler bien de l'activité qui va se tenir ici à Sainte-Brigitte et qui est parrainée par le réseau des femmes en politique de la région de Québec. Nous, on accueille le réseau des femmes, le conseil municipal ainsi que la ville a gentiment ouvert les portes de notre magnifique bâtiment du Parc des Saphirs pour tenir un événement qui a pour but de démystifier le rôle de l'élu municipal et d'amener des femmes à s'impliquer en politique. Parce qu'on recherche la parité. Tout le monde qui était aux assises, les élus qui étaient là, tout le monde nous disait, l'idéal, là, c'est un
c'est un conseil municipal où on a la parité. Mais on n'a même pas 17 % des élus qui sont des femmes. Donc, cet événement se veut un événement non partisan et qui... Et où les femmes vont pouvoir discuter ensemble de la possibilité et de leur intérêt et de leur capacité à se présenter aux élections. Donc, moi, j'invite toutes les femmes de Sainte-Brigitte-de-Laval à venir assister à cet événement qui se tient mardi le 16 mai prochain. Merci. Ah non, c'est à 18h, à 18h. Et je vais vous tenir, tantôt, je vais vous entretenir sur... les décisions du comité consultatif d'urbanisme. Merci. Bonsoir tout le monde. Bon, merci. Trois petits suivis, en fait, mes trois dossiers. Marché public, je ne peux pas vous en dire plus à date, on n'a pas eu d'autres comités. Le 23 mai prochain, c'est notre prochain comité, où ce que là, je vais être capable après ça de vous répondre la date exacte, l'emplacement et les horaires. Deuxième petit point, le taxibus. J'ai eu beaucoup de citoyens en fin de semaine ou dans la dernière semaine qui ont commencé à reparler du projet de taxibus qu'on avait mis en place en début d'année. C'était peut-être pas approprié à la date qu'on l'avait mis, fait qu'on va probablement réessayer cet été de le remettre en place. Au prochain conseil, je vais vous avoir des dates ou des oui ou des non. Je vais commencer à ouvrir ce dossier-là cette semaine. Dernier dossier, reboisons Sainte-Brigitte. Je vous rappelle, le 27 mai prochain, c'est la journée de l'environnement et en même temps, c'est la journée où on remet, comme à tous les années, des arbres aux citoyens de Sainte-Brigitte. Et c'est la même journée aussi qu'on va faire la livraison des arbres, des gens qui en ont commandé sur le site, des arbres matures. Puis en même temps, je vous le dis, ben, il en reste encore des arbres. Fait que si vous voulez vous rendre sur le site de Sainte-Brigitte pour en faire la réservation, le 27, ils vous seront livrés. Merci beaucoup, une bonne soirée. Bonsoir. Moi, au niveau des sports et loisirs, j'ai, juste pour donner suite un peu à ce que Louis-Georges a mentionné tantôt, a mentionné une dépense de 5 000 $ là, pour le brunch des bénévoles. Comme j'ai mentionné la dernière fois, c'était, d'abord, un, il y avait les bénévoles, il y avait les propriétaires également des sentiers pédestres, et puis de terrain, là. Et puis, il y avait également les conjoints qui étaient invités à les accompagner également. Pourquoi les conjoints? C'est une première, je pense, qui se faisait. Je ne sais pas si ça s'est fait par le passé dans les anciens mandats. Sauf que nous autres, de notre mandat, c'était, c'était une première. Dans le sens que c'était de lui dire merci, ces conjoints-là, de nous permettre d'avoir le mari ou la femme de faire du bénévolat. Parce qu'une ville sans bénévolat, ça va mal un petit peu. Ça fait que c'est comme si quelqu'un mal aux jambes et qu'il n'y a pas de béquille marcher, ça va mal. Ça fait que c'est un peu ça. Fait que c'est pour c'était juste pour justifier un peu le coût à Louis-Georges qui a mentionné tantôt. Au niveau des ouvertures, l'ouverture du terrain de soccer a eu lieu le 6 de mai qu'on vient de passer. Le skatepark, c'était le 1er mai. Le terrain de baseball, lui, ça va aller au 5 de juin, dû aux travaux qui va se faire carrément sur le terrain pour permettre, puis de le mettre sur les normes pour recevoir du PWI au niveau du baseball. Donc, l'ouverture est prévue pour le 5 de juin prochain. Les dates à retenir maintenant, c'est de surveiller la sortie de la programmation estivale qui va sortir le 22 mai prochain. Après ça, il y avait également de faire attention à l'inscription des camps du camp d'été qui se termine le 22 mai. Fait que ça se termine le 22 mai. Il y a également la fête de la pêche qui va avoir lieu le 3 juin prochain. Fête de la pêche, c'est organisé pour les... pas en particulier, mais principalement pour les citoyens de Sainte-Brigitte-de-Laval. Donc, la Ville l'organise, elle l'organise pour ses citoyens. C'est sûr qu'il y a toujours... une coupe il y a des gens qui viennent de l'extérieur, mais en partie, c'est vraiment pour nous autres, les Lavallois. Il y a également surveillé la samedi, le 10 de juin, la fête des voisins. Je vous invite à consulter le site de la Ville pour avoir les informations un peu comment ça peut fonctionner. Puis il y a plusieurs avantages également à organiser ça avec la Ville également. C'est dans le sens que c'est de barrer la rue. Il y a la disponibilité d'avoir des tréteaux également pour rendre ça sécuritaire, les poubelles, puis etc. Il y a bien d'autres choses également à donner. Fait qu'on vous invite à consulter le site de la Ville. Il y a la fête nationale qui a lieu à tous les ans, mais cette année, c'est Jonathan Pinchot. C'est l'artiste invité, là,
C'est l'ancien du groupe Okoumé de Gaspésie. Fait que c'est pas, donc, c'est un peu ça, c'est ce que j'avais à mentionner. C'est Jonathan Pinchot. Donc, c'est le tour que j'avais à faire. Juste ajouter que le 10 juin? Le 10 juin, en même temps que la fête de la famille, c'est la porte ouverte ici, au bâtiment des Saphirs, pour visiter les installations, le parc, etc. OK, bon, le 10 de juin, je vous invite à venir. Je vous taquine, je fais par exprès. C'est beau. Fait que j'ai terminé pour ma part. Merci. Dans mes suivis de dossier au niveau finance, eh bien, on va en discuter au point 8 et 9. Un autre dossier, un dossier motoneige. C'est drôle de parler de motoneige ce soir. On ne veut plus n'entendre parler, Louis-Georges. Pas là, là. Okay. J'ai assisté au dernier comité de circulation et à l'ordre du jour, il y avait justement de faire le bilan de la saison concernant la circulation en motoneige de cette projet. Les constats, stationnement, problématique, si on veut, au niveau de la rue Haute-Claire, je pense que c'est réglé. C'est réglé pour la rue Haute-Claire, mais on a déménagé le problème à la rue des Roches. Bon. Okay? Donc, c'est réglé la rue Haute-Claire, on s'en va à la rue des Roches. Concernant le stationnement incitatif appartenant à M. Clermont-Vallée, on veut à l'extrémité de la rue Haute-Claire, sur le domaine des Hautes-Terres, bien, ce stationnement-là, au cours de l'hiver, très, très peu fréquenté. Il y a du travail à faire. Pour la saison 2017-2018, ce soir-là, on a donné différents mandats, si on veut, dans un premier temps, à l'AMAP, c'est-à-dire l'Association des motoneigistes de l'arrière-pays. Il y a eu des mandats qui ont été donnés à M. Clermont-Vallée, des mandats à M. Jacques Laliberté au niveau du Seigneur de Québec, et aussi le mandat à la ville de Saint-Brigitte. De plus, pour l'an prochain, possibilité d'offres additionnelles de services au club de golf. Donc, ça, c'est en développement. Ça va être tout pour le motoneige, ça va aller l'an prochain. Moi aussi, j'aurais des félicitations à faire, dans un premier temps, à la chorale L'Écho des Montagnes, pour leur excellent concert qui a eu lieu hier à l'église. Le concert s'intitulait « Entre amis » et il y a eu plus de 250 droits d'entrée qui ont été vendus. Donc, c'était très bien comme concert. Autre félicitation concernant le resto-bar alpin, du club de golf alpin, okay, qui a fait leur ouverture le 4 mai. C'est un 5 à, je vais dire, tard, là. Mais c'était excellent. Il y a eu une très bonne, si on veut, réponse qui a été donnée dans un premier temps par les golfeurs et aussi par les visitants de Sainte-Brigitte. Je veux dire, c'était sale comble et je leur souhaite bon succès pour l'avenir. Merci. Il y a une dernière chose que j'ai oublié de mentionner, là, parce qu'au niveau du montant de 5 200 quelques piastres, là, que pour le brunch des bénévoles, là, il y avait 150 personnes qui constituaient, ils étaient constitués de 97 bénévoles. Il y avait trois propriétaires de terrain pour les sentiers, pour les sentiers. Puis il y avait 50 conjoints. Donc, ça fait 150 personnes. Donc, ça justifie un petit peu le montant. C'est ce que je voulais vous mentionner. Merci, Alain, pour, et tout le monde, là, pour votre suivi. Alors, dépôt des procès-verbaux de correction PVC 005-17 et 006-17 qui corrigent des coquilles là, dans les procès-verbaux et ça ne modifie en rien la teneur des propos. Alors, comme je vous le mentionnais, dépôt des états comparatifs au 31 mars 2017. Là, est-ce qu'on a un vote là-dessus, Madame la greffière? Non, hein, c'est un dépôt. Là, je voyais qu'on demandait le vote. On n'a pas à demander le vote. Dépôt du rapport financier 2016 et du rapport de l'auditeur indépendant. Donc, nous, on a reçu la présentation cet après-midi. Moi, ce que je vous propose, là, on passe le dépôt. Toutefois, la présentation par notre trésorier et les vérificateurs sera faite juste avant la période de questions pour vous permettre d'avoir fraîchement en mémoire
la dite présentation. Avis de motion. Alors, je cède la parole à Louis-Georges. Oui, avis de motion, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne l'avis qui sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal un règlement d'emprunt de 400 000 $ aux fins de consolidation du déficit, de l'année 2016. Et qui sera remboursé lorsque les terrains seront vendus. Oui. Oui. Adoption de règlement. Adoption du règlement 804-17, qui est le règlement modifiant le règlement 800-17 et décrétant l'acquisition de véhicules et l'affectation de la somme de 447 000 des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés numéro 567-08, 583-09, 587-09, 590-09, 607-10, 628-11, 636-11, 649-12, 650-12 et 691-13 en vue de financer une dépense de 447 000 qui concerne l'acquisition de véhicules notamment pour le service des travaux publics et pour le service de l'aménagement du territoire. Et l'avis de motion avait été passé au mois d'avril. On passe au vote. Pour. 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 Adoption du règlement 805-17 qui décrète une dépense et un emprunt de 550 000 pour des travaux d'aménagement d'une voie cyclable dans le cadre de la trame bleu-verte remboursable sur 10 ans. C'est pour la construction et la consolidation de la piste cyclable située à la limite de Beauport jusqu'au cœur villageois et pour lequel nous obtenons une subvention de 50 % du montant de 550 000 $ qui provient de la MRC de la Jacques-Cartier. Alors, on passe au vote. Je vote pour. Pour. Pour également. Pour. Pour. La section urbanisme, je cède la parole à Mme Auclair qui a une présentation. On a donc deux PIA à l'ordre du jour. Premier PIA, c'est concerne les impacts visuels des projets de construction. Donc, le premier projet... Le 10 rue de Lucerne. Ce projet a été présenté au CCU, je cherche la date, le 18 avril 2017. Selon l'analyse faite par le CCU et par le service d'aménagement du territoire, ce projet de construction rencontre les objectifs du PIA. En ce qui concerne son intégration, de minimiser la coupe forestière, de vraiment drainer de façon adéquate le terrain. Donc, le CCU recommande d'accorder ce PIA. Donc, je demande le vote. Pour. 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 Deuxième projet. Encore un PIA, impact visuel. Ça concerne le 203 rue des Matricaires. Ça consiste une demande d'agrandissement d'un jumelé. Cet agrandissement est quand même... ici, on voit en façade là, le jeu un peu des pignons puis des pentes de toit. Si on changeait de... Vous l'avez derrière... Cet agrandissement est fait sur pilotis. Après analyse et qu'on a une très grande superficie aussi par rapport à la superficie actuelle du bâtiment, du jumelé, et occuperait plus de 60 % du terrain. Je pense que c'est 68 % du terrain. Donc, selon les critères du PIA,
le CCU recommande de ne pas accorder ce PIA. Pour les raisons suivantes. Le projet d'agrandissement représente une trop grande volumétrie par rapport à l'implantation au sol de la résidence, soit un ajout qui correspond à 64 %. La construction sur pieux s'intègre mal à la construction existante sur fondation de béton. Le CCU recommande aux requérants, s'ils souhaitent poursuivre sa démarche, de faire produire une analyse volumétrique afin d'évaluer l'impact de l'agrandissement projeté sur l'intégrité architecturale du bâtiment. À ces trois conditions, le conseil municipal en a ajouté une de plus, soit de recommander qu'une nouvelle demande d'agrandissement soit déposée conjointement avec le jumelé contigu. Donc, nous recommandons de ne pas accorder ce PIA. Je demande le vote. Ouais, je vote contre la demande du PIA. Contre la demande. Contre également. Contre également. Contre aussi. Contre. Bon, merci. Point 15. Autorisation à l'OBV, l'organisme des bassins versants de Charlevoix-Montmorency pour la réalisation d'analyses des puits privés sur le territoire de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. Il y avait déjà eu une première vague de tests d'échantillons qui ont été pris au printemps. C'est ça? À l'automne dernier. Donc, on autorise encore une fois là, 250 nouvelles analyses qui seront effectuées par l'OBV et dont les coûts seront défrayés par la CMQ. Alors, ces tests seront effectués là, au courant du printemps. On passe au vote. Oui, je veux noter également là, qu'on va demander ces résultats-là à la Ville de Québec. Donc, 250 au printemps, 250 à l'automne. Pour. 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 Virement budgétaire numéro 3, donc, c'est un code budgétaire qui n'avait pas été respecté. Autrement dit, on avait mis les salaires centre, trivant, église, responsable, pas au bon endroit. Donc, on vient simplement modifier là, le bon compte pour mettre la dépense dans le bon compte pour un montant de 119 500. Le montant reste le même. On passe au vote. Pour. 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 Affectation du fonds de roulement pour l'acquisition d'équipements informatiques et mobiliers pour la mairie. Donc, on sait qu'il va y avoir des nouveaux employés, notamment pour le service de l'aménagement du territoire, qui vont œuvrer au niveau de l'environnement. Alors, on va emprunter 6 800 taxes nettes au fonds de roulement qui sera amorti sur une période de 3 ans à partir de janvier 2018. On va aussi octroyer l'acquisition de mobilier pour 2 900 $ taxes nettes pour une période de 10 ans et emprunter au fonds de roulement une somme de 1 135 $ taxes nettes amortie sur 3 ans à partir de janvier 2018 pour l'acquisition de l'équipement téléphonique pour les nouveaux employés. On va passer au vote. Pour. 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 En ce qui concerne l'approvisionnement, l'adjudication de contrats pour les travaux d'aménagement du bureau de la mairie, étant donné que ça va au-delà du double de ce qui avait été prévu, on a décidé de reporter ces travaux-là. Loisirs, reconnaissance d'action Sentier Lavallois au fin du programme d'assurance pour les organismes à but non lucratif. Donc, ce soir, on les reconnaît comme un organisme reconnu officiellement par la Ville afin qu'ils puissent bénéficier de la couverture d'assurance qui est offerte par l'Union des municipalités du Québec. On va passer au vote. Je vote pour. Pour. Pour également. Pour. Pour.
La même chose pour la Maison des jeunes, la baraque, pour le programme d'assurance pour les organismes sans but lucratif. Donc, ce soir, on reconnaît que la Maison des jeunes, la baraque, est un organisme officiellement reconnu par la Ville et qu'ils peuvent bénéficier de ce programme. On passe au vote. Pour. 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 C'était l'écho des montagnes l'écho, hier, hein? Oui, c'est ça. Demande de reconnaissance du Club Lyon de Sainte-Brigitte-de-Laval comme organisme reconnu. Donc, la directrice du service des loisirs nous en fait la recommandation puisqu'ils répondent à tous les critères pour être reconnu comme un organisme de la ville, un organisme communautaire. On passe au vote. Je vote pour. 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 Bon, subvention à la Maison des jeunes, la baraque. Ce soir, M. Durocher est justement en réunion avec le conseil d'administration de la Maison des jeunes, la baraque. Il nous avait donné ses recommandations concernant cette subvention. Normalement, la Ville aurait versé une subvention de 32 000 à la Maison des jeunes, la baraque, plus un montant de 6 500 qui constitue une option dans le cas où la Maison des jeunes participe au programme Switch. C'est un programme qui est vraiment spécifique aux Maisons des jeunes. Alors, cette subvention-là va être versée à condition que la Maison des jeunes participe à ce programme. Est-ce qu'il y avait d'autres spécifications qu'il nous avait données tout à l'heure? Là, ça faisait le tour? Parfait. Alors, on va passer au vote pour ce point. Pour. 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 Subvention dans le cadre du programme d'aide à la jeunesse pour Jérémy Drapeau, qui est un jeune boxeur qui participera à la Coupe Imperium Junior en 2017. C'est un champion canadien de boxe dans sa catégorie qui est Benjamin, 10-11 ans. Donc, il recevra de la Ville un montant de 150 $ pour participer à cette compétition. On passe au vote. Pour. 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 Ressources humaines, embauche de Mme Amélie Grenier à titre d'inspectrice en environnement temporaire. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure au niveau du service de l'aménagement du territoire. Cet été, il va y avoir beaucoup de suivis qui seront effectués par différents employés. Donc, c'est la vague d'embauche. Alors, on va passer au vote pour Amélie Grenier. Pour. 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 Embauche de Mme Marie-Alexandre Girard-Deschênes à titre d'inspectrice en bâtiment temporaire. Donc, comme pour tous les autres, là, je vais vous mentionner qu'il y a eu des entrevues qui ont été effectuées par le directeur du service. Et on a eu des recommandations là, favorables pour tout le monde. Et il sera embauché à partir du... Elle va être embauchée à partir du 22 mai et Amélie à partir du 10 mai. Donc, c'est très bientôt. Yes. Alors, on passe au vote. Alors, je vote pour. Pour. Pour également. Pour. Pour. Embauche de Jérôme Gagnon-Dupont à titre d'inspecteur éco-patrouille au poste d'étudiant. Donc, c'est un étudiant qui va faire de la sensibilisation au niveau de l'environnement. Alors, on a reçu plusieurs candidatures et on a la recommandation favorable du comité de sélection. Et c'est pour un poste de 4 mois à partir du 22 mai prochain. On passe au vote. Pour. 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 Embauche de Mme Rose Savard-Paquette à titre d'inspectrice éco-patrouille au poste étudiant, elle aussi. Donc, toujours la même recommandation favorable pour une période de 4 mois à partir du 22 mai prochain. On passe au vote. Je vote pour. 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 Embauche du personnel d'animation du camp d'été 2017. Là, je sais qu'il faut que je les nomme tous. Hein, Madame la greffière, vous m'avez avertie. Alors, on va procéder à l'embauche des animateurs suivants.
pour le camp d'été 2016. Rosalie Montminy, Véronique Tremblay, c'est pas la députée en passant. 2017, par exemple. Pardon? Le camp d'été 2017. Oui, c'est ça, 2017. Miguel Terrien, Gabriel Brousseau, Alexandre Bolduc-Laroche, William Jones, Charles-Émile Castonguay, Juliette Cochrane, Adrien Alicot, Émilie Bédard, Laurie Bolduc-Laflamme, Océane Côté, Élisabeth Leclerc, William Daviaud, Camille Talbot, Camille Tremblay, Émilie Parent, Alicia Talbot, Ève Dupuis, Cathy Nadeau. Et de procéder à l'embauche des aides-animateurs suivants pour le camp d'été 2017, Laurie Tremblay, Kéliane Bouchard, Jérémy Deneau, Charlotte Lemieux, William Bouchard, Dylan Lemelin-Bellan. Et de procéder à l'embauche des animateurs spécialisés suivants pour le camp d'été 2017, Emmanuel Leclerc, Charles Bédard. De procéder à l'embauche des accompagnateurs aux enfants ayant des besoins particuliers suivants pour le camp d'été 2017, Pierre-Alexandre Turgeon, Carianne Lavoie, Naomi Bouchard, Audrey Foisy. Donc, on autorise notre directrice du service des loisirs à signer les documents afférents. On passe au vote. Je vote pour. 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 Embauche de 8 pompiers et premiers répondants, c'est reporté. Autorisation de signature des contrats des professeurs pour la programmation printanière. Donc, on a le cheerleading, pilates, entraînement plein air, mise en forme 50 ans et plus, gymnastique, karaté, yoga, entraînement muscu, cardio, cardio, abdos, fesses. On passe au vote. C'est quand, la dos-fesses? Je ne sais pas, mais l'année prochaine, je vais pouvoir m'inscrire à mise en forme 50 ans et plus. Je vote pour, alors. Pour. Pour également. Pour. Pour. Désignation d'un représentant pour le compte de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval relativement au service Mon dossier de Revenu Québec, parce qu'actuellement, même quand je suis en vacances, on m'appelle parce que je suis la mairesse. Donc, on va déléguer ça à M. Marc Proulx. C'est bien ça, non? Madame Audrey Beaulieu. Bon, c'est encore mieux pour toi, Marc. Et Émilie Lavaille. Donc, il s'agit de l'inscription de l'entreprise à Clic Sécure. Donc, c'est géré comme un dossier d'entreprise, même si on est dans le municipal. Alors, on va autoriser Mme Audrey Beaulieu et Mme Émilie Lévesque. On va passer au vote. Pour. 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 Autorisation de signature entente avec Emploi Québec pour l'année 2017-2018. Alors, on va autoriser Mme Audrey Beaulieu, qui est directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines, à signer l'entente à conclure avec Emploi Québec pour les années 2017 et 2018. Je vote pour. 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 Et avant de passer à la période de questions, on va demander à nos experts de venir nous présenter les états financiers. Moi, je l'ai tué. Bonsoir tout le monde. Bon, je reprends. Les gens doivent être très intéressés après les préambules de Mme la mairesse, mentionner un déficit et tout ça. Fait qu'on va voir un peu plus en détail. Je vous mentionne ici, je vais présenter strictement l'état des résultats et le bilan. Le reste du rapport devrait être là d'ici la fin de la semaine, le rapport financier complet, le temps d'avoir les signatures, que le vérificateur règle la signature et tout ça. Fait qu'on va pouvoir les mettre complet sur le site de la municipalité. Fait, je vais présenter ces trois pages-là et ensuite un petit PowerPoint pour vous en faire un sommaire. Du côté des revenus, nous avions au budget un total de 10 541 000. J'arrondis les chiffres. OK, pour les besoins de la présentation, ça va être un peu plus facile. 10 541 000 et au niveau du réel, si on regarde la deuxième colonne,
On va y aller avant la... Parce que la troisième colonne, c'est la ventilation de l'amortissement. Fait qu'on reprend. Vous voyez que la troisième, ça nous donne à peu près le même montant. Pas à peu près, exactement le même montant, 10 727. Fait qu'on a un léger surplus, une légère augmentation au niveau des revenus. C'est principalement, il y a peut-être un 100 000 au niveau de la taxe. Ensuite, au niveau des transferts, fait que donc des subventions qu'on a reçues. Services rendus qui sont un peu plus élevés, 238 versus 403. Les impositions et les droits, il y a une légère baisse. Les amendes pénalités, fait qu'on, c'est à peu près de même ordre de grandeur. Les autres revenus d'intérêt, il y a un 36 000 de plus par rapport au budget. Et les autres revenus ne semblent pas s'être concrétisés comme on l'avait souhaité au niveau du budget. En plus, dans la section des revenus, on doit y ajouter les revenus d'investissement. Fait que principalement, vous avez un total de 2 millions en budget, 2 321 000 et en réel, 508 800. Fait que c'est beaucoup moins que ce qui était réalisé. La réalisation est beaucoup moindre parce qu'il y a des projets de subvention qui ne sont pas complétés. La vérification, on attendait la vérification, ensuite il faut faire les demandes. Fait qu'à ce moment-là, les projets de transfert vont se réaliser un peu plus tard. Ce qui nous donne un revenu total de 12 861 382 en budget versus 11 236 198 au réel. Fait que c'est un peu moins que prévu. On va y revenir un petit peu plus tard. Principalement, là, c'est les transferts, ce qu'on mentionne. Du côté des charges, les dépenses, si on regarde... L'avant-dernière ligne, bien, vous voyez que nos dépenses sont à peu près en ligne avec le budget. On a même à peu près 140 000 de moins que ce qui était prévu. Fait que donc, je pense qu'il y a eu quand même, là, durant l'année 2016, un bon contrôle et suivi au niveau des dépenses pendant l'année. Ce qui nous amène avec, ici, on avait budgété un excédent. Je vais l'expliquer un peu plus tard, 1 362 000. Et là, on arrive avec un déficit de 123 362. Je vous amène à ce moment-là à la page suivante pour continuer un peu. Ça, c'est ici le chiffre. Monsieur le trésorier, est-ce que vous allez nous faire la présentation du par document? Par la suite. Ah, OK. Et fait, jusqu'ici, c'est les présentations pour répondre aux normes comptables. OK, qu'on a. Et dans la page suivante, c'est pour nous ramener aux principes et règles du ministère du MAMRO pour nous amener à la présentation plus pour des fins fiscales ou de taxation. OK, fait qu'on reprend un chiffre, si vous voyez la deuxième colonne, en 2016, 123 000, on y rajoute, on enlève, c'est-à-dire les revenus d'investissement. Et ensuite, on rajoute des éléments qui sont hors caisse, là, comme l'amortissement, 2 321. Il y a d'autres produits destinés à la revente. Il y a eu une réduction de valeur dans un cas de matérialisation là, d'un des édifices qui était vendu. Ensuite, en termes de financement, on est à peu près en ligne avec notre budget. On avait 1 398 fait qu'un 1 401 000. C'est pas mal en ligne avec le budget. Et là où on a eu, et je vous invite à retenir ces chiffres-là, au niveau des affectations, au niveau budgétaire, okay, on avait prévu la vente des terrains que la mairesse vous a parlé tantôt pour environ 1 million, où on le séparait en 600 000 en activités d'investissement et 400 000 qui étaient affectés aux dépenses de fonctionnement. Malheureusement, la vente n'ayant pas été réalisée, on se retrouve dans notre réel, ben, seulement qu'avec 86 000 qui sont d'autres investissements qui ont dû être faits à même le fonctionnement. Fait que le 600 000, il n'est pas là. Les réserves foncières et le fonds réservé, 298 000, si ma mémoire est bonne, c'est les remboursements de fonds de roulement, c'est ça. Puis il y avait les dépenses constatées à taxer et à pourvoir où on a un 339 000 d'ajustement. Fait que vous voyez que ni le 600, ni le 400 prévu ou budgété n'est reflété ici. Fait que ce qui nous amène à la dernière ligne, 405 291 de déficit. Fait que c'est le 400 000 qui nous fait un petit peu plus mal. Je vais y revenir tantôt dans la présentation PowerPoint. La page suivante, pour vous donner une idée de ce qui est
l'image de je dirais, le bilan, là, qui est le portrait de la situation financière de la ville. On a, au niveau des actifs financiers, vous avez un total pour 2016 de 3,665,991 comparativement à 3,708. C'est à peu près du même ordre de grandeur. C'est principalement des débiteurs. Fait que c'est les quelques taxes à recevoir, des subventions à recevoir ou d'autres dettes de d'autres, d'autres débiteurs. Du côté des passifs, ici, on a 33,745 versus l'an passé, 33,745 versus 31,295. Ce qui est le plus important, là, vous voyez la dette à long terme, on va remonter. Donc, on est passé de 27 100 000 l'an passé à 26 751 cette année. Et il y a eu une baisse au niveau des créditeurs. Donc, on a payé nos comptes. Il y en avait moins dans le paiement. Et le plus peut-être l'autre significatif, c'est l'emprunt temporaire, 4 millions, versus l'année passée où on n'avait pas. Pour répondre à expliquer cet écart, c'est principalement des projets d'investissement qui ne sont pas encore financés à long terme. Donc, on a dû emprunter. Et quand ils vont être réglés et qu'on aura le montant exact et que les dossiers seront fermés définitivement, on va pouvoir procéder en financement. On devrait en faire bientôt. Là, on a à faire du financement là-dessus. Fait que donc, autrement dit, on va éliminer les emprunts temporaires. Et tout ça pour donner à la fin l'actif financier net ou la dette nette, c'est 33 779 000 versus 27 586. Ensuite, les actifs non financiers. On a les immobilisations. On est passé de 51 368 000 à 53 645. Les propriétés destinées à la revente, c'est toujours les mêmes. L'immobilisation, là, juste pour préciser, oui. C'est ce qu'on vaut. Autrement dit, c'est la nos valeur actifs. De nos c'est actifs. La valeur de tous nos bâtiments, les terrains, tout ça. Sauf pour la question du propriété destinée à la revente, c'était des terrains qui étaient définitivement exclus. C'est entre autres, là, notre million est là-dedans, puis il y a d'autres terrains. On a constaté le petit écart là, entre les deux, entre 1,182 et 1,155 c'est qu'on a tout de suite constaté une perte de valeur là, compte tenu de la réalisation d'une des ventes là, de 155 000. Fait qu'on a un 27 900 qui a été constaté comme perte. Au niveau des stocks, c'est sensiblement la même chose. Les stocks de fournitures, fait que c'est tous les pièces, matériaux, des travaux publics, les livres aussi au niveau de l'inventaire pour la bibliothèque, c'est dans ça, et les diverses fournitures à la mairie ou dans d'autres bâtiments. Ensuite, les actifs non financiers, il reste d'autres actifs comme tels. On a le détail à la note 17 qui sera disponible à ce moment-là dans les états. Là, on a une augmentation d'à peu près 110 000. C'est ce qui nous laisse finalement un excédent accumulé de 25 300 000 34,565 par rapport à 25,457,927. C'est la, si on veut, le portrait, l'image financière, ce qui est quand même bon, OK? On parle d'un actif financier net ou d'une dette nette, 30 millions, mais d'un autre côté, on a des actifs en équivalence pour un 55 millions. Fait qu'on a quand même, de ce côté-là, une accumulation qui se tient, malgré. Ça, c'est la première partie qui font partie du rapport qui a été préparé et vérifié et qui va être déposé au MAMRO dès qu'on a finalisé les signatures et les autres informations complémentaires qui nous manquent. Je ramène juste pour vous faire ressortir les éléments les plus importants du dépôt du rapport financier 2016. À la première page, j'ai mis les principaux points qui sont importants à retenir.
D'abord, c'est un rapport sans réserve du vérificateur externe. On est très concerné par la dette à Sainte-Brigitte. Bien, on est toujours dans un contexte de diminution comparativement à 2015. C'est pas beaucoup, mais je veux dire, au moins, on est sur la bonne voie. Nos immobilisations par rapport à 2015 augmentent de 2 276 000. Donc, on continue d'être capable d'acquérir des actifs. Et ce que je mentionnais tantôt, là, le 1 600 000, 400 000, bien, le déficit au 31 décembre 2016 est attribuable, non, à la non-matérialisation de la vente des terrains à fin de l'année. On avait dans le budget prévu qu'on utiliserait 400 000 $ pour financer des activités de fonctionnement. Il ne s'est pas matérialisé, fait que c'est ce qui explique notre fameux 405 000. C'est ça. Déficit 405 291 pour l'année 2016. Le budget était équilibré au départ, qui incluait le 400 000 de revenus. Malheureusement, ce qui faisait qu'on avait un surplus nil, c'est-à-dire les budgets qui sont présentés et on a l'obligation, en vertu de la loi des cités et villes, au niveau des villes et des municipalités, de toujours présenter un budget équilibré. C'est ce qui a été fait. Malheureusement, au réel, on ne donne pas d'obligation, une chance. Ceci n'a pas été pour toutes sortes de circonstances, dont une importante, là, quand on se fait offrir une offre d'achat à la moitié de ce que, et moins que la moitié, je dirais même, que la valeur marchande du terrain. Il y a eu refus à ce moment-là, fait que c'est reporté à l'exercice actuel. Les autres éléments que je voulais porter à votre attention. Et là, on a commencé du travail pour essayer d'avoir une présentation 5 ans. Malheureusement, on n'a pas tous les chiffres. Mais ce que je peux voir, c'est que depuis 2012-13, on est toujours en diminution au niveau de la dette long terme totale. Pas des gros montants, mais regarde, c'est ça la bonne voie. La dette à une partie des contribuables, elle est fixée à 4 100 000. C'est toujours le même. La dette à l'ensemble des contribuables, elle baisse, 23,2 cette année. Nombre d'habitants, cette année, les chiffres pour 2016 ne sont pas sortis, fait que je reprends le même chiffre que l'année passée. C'est 1171 par rapport à 2014, c'était 6009. La dette à long terme, j'ai présenté ici la dette à long terme par habitant, fait qu'on est en régression aussi de ce côté-là, ce qui est, je pense, une bonne nouvelle. Du côté des immobilisations, les immobilisations au début de l'année, on avait 51,4. On a fait des investissements nets durant l'année avec le programme d'immobilisation de 4,6 millions, moins nos amortissements de 2,3. Fait qu'on finit cette année avec 53,7 millions. Fait que si on compare avec les années précédentes, là, on a toujours une augmentation. Vous le voyez, il y a ça ici. C'est un local, un bâtiment, plus tout le parc qui est aménagé. Ça fait partie de nos investissements de l'année. Et tableau suivant, c'est un état de situation de la réserve financière, des réserves financières, des fonds réservés et des fonds affectés. Fait qu'au 31 décembre 2016, on est parti au début de l'année avec 1 991 106. On a augmenté le fonds de roulement de 213 497. Il y a eu utilisation ou donc diminution au niveau du fonds de parc de 375 000. C'est aussi explicable par le changement au niveau des règles comptables pour la présentation d'informations financières, où le fonds de parc est maintenant présenté en réserve au niveau du passif. Fait qu'on constate le revenu à ce moment-là uniquement une fois qu'on aura utilisé ce fonds-là. Pour le moment, la réserve est sortie des résultats, pas des résultats, mais des fonds comme tels. L'augmentation du fonds de réfection d'entretien de voirie, ben, dans le fond, c'est une diminution de 12 681. Une diminution des soldes disponibles des règlements d'emprunt. En 2016, on a utilisé pour faire des financements de règlements d'emprunt. Il y a des règlements dans les années antérieures. Vous l'avez vu encore tantôt là, dans une des résolutions qui a été adoptée. Pour cette année, on utilise 447 000. C'est des règlements qui antérieurement ont été pris peut-être un peu tôt. En tout cas, il y avait des sommes qui n'ont pas été utilisées. Fait que nous, on les réutilise, ils sont disponibles et
on refinance, on les utilise pour faire d'autres acquisitions. Fait qu'en 2016, il y en a eu pour 56 132. Et la réserve foncière, fonds réservés, fonds affectés à la fin de l'année, est à ce moment-là d'1 770 803. On a rajouté une note... ce sont des réserves financières que la Ville possède. Exemple, si on prend le fonds parc et terrain de jeu, là, on n'a pas le montant là, qu'il y a dans ce fonds-là. Là-dessus, on a juste la différence. Oui. Mais est-ce qu'on peut avoir le montant au 31 décembre du fonds parc et terrain de jeu? C'est le... 617. C'est les deux. J'ai oublié une... Fonds parc et terrain de jeu, c'est le 128 252. Okay. C'est ça qui apparaît dans les revenus rapportés à la note 12. OK. Donc, en tout et partout, la Ville possède dans ses fonds réservés, donc des fonds qui des sont fonds réservés dédiés, et revenus dédiés rapportés. 1 170 000. Plus le 148 000 qui est mis de côté. OK. Lorsqu'elle l'utilise. Parfait. Okay. Parfait. Ça, c'est... Je ne sais pas si c'est clair là, pour tout le monde, là, mais on verra tantôt là, pour simple. Les questions, hein, mais c'est vraiment pas simple. Le dernier élément que j'ai apporté ici, c'est pour être capable... Je trouvais que juste des chiffres, on vous donne des chiffres. Les états financiers, c'est un paquet de chiffres, on ne sait pas trop ce que ça... On le voit même, des fois, le conseil nous pose des questions, on ne sait plus ce qu'on est trop. Veux-tu m'expliquer un peu plus en détail? Et c'est bien normal. Fait que j'imagine que vous autres aussi, c'est un peu la question. Fait que j'ai mis en perspective des comparables. Okay? Mais là, comme c'est des données comparatives, elles sont extraites des profils financiers 2016 disponibles sur le site du MAMO. Donc, ce sont des données des exercices 2015. Les données 2016 vont être disponibles une fois que nous, on produit nos rapports financiers. Fait qu'on va les avoir. Fait que probablement qu'à la fin de l'été ou à l'automne, définitivement, pour la préparation du budget, présentation du budget, on va reprendre un peu ces données-là. Fait que vous avez les comparables de population en vertu des villes. Fait que vous voyez qu'on est à peu près toutes dans la même strate. Au niveau des revenus de fonctionnement, puis je l'ai mis en jaune parce que c'est assez important, notre... Nos revenus de fonctionnement sont seulement qu'à 10 785 850 comparativement à tous les autres où on est à 12,4, 11,6, 11,6. Fait que du côté revenus de fonctionnement, probablement taxation, il y a encore des choses à venir. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on augmentera les taxes. Je vous amène deux lignes plus bas. Richesse foncière uniformisée. Vous voyez encore là, 759 919 000, je l'ai mis en rouge, parce que si on compare à nos voisins, celui qui se rapproche le plus, c'est Boischâtel, 974 6 millions. Fait qu'on est réellement en bas, sauf que, si ma mémoire est bonne, Patricia, on a reçu une mise à jour qui n'est pas encore traitée, mais déjà là, notre richesse foncière, parce qu'il y a eu plusieurs transactions, nouvelles acquisitions et aussi nouvelles constructions qui vont s'ajouter à notre rôle. Fait que donc, la richesse foncière augmentant, bien forcément, ça va générer pour 2017 des comptes de taxes additionnels qui vont s'en suivre. Fait qu'à ce moment-là, on devrait avoir une amélioration au niveau du revenu de fonctionnement. J'ai mis en pourcentage aussi la taxe de fonctionnement sur les revenus de fonctionnement. On est haut. Mais si je regarde par rapport à la MRC, qui est à 77 comme moyenne, mais par rapport à Lac-Beauport, on n'est pas tellement loin. Par rapport à Boischâtel non plus. L'endettement total net à long terme, je saute une ligne parce que j'ai parlé de la richesse foncière. L'endettement total net à long terme par une unité d'évaluation, c'est la même chose. On est haut, mais on se compare quand même avec Boischâtel. Boischâtel, ce qui doit les aider, c'est probablement les développements de... Les gros développements qu'il y a eu là, près de l'ancienne carrière de la bricade, la briquerie Citadelle. Ça a dû lui donner un bon coup de pouce. La charge fiscale moyenne des citoyens. Encore là, on est un peu 2 747 $ par résidence, moyenne. En moyenne. Fait que par rapport à la MRC, c'est haut, mais si on regarde les autres, 3 231 par rapport à Lac-Beauport. 3 000...
47 dans Bois-Châtel. Fait qu'on est bon. Charge nette par unité d'évaluation, 3179 versus 2968 pour la MRC, c'est toutes les municipalités de la MRC. Lac-Beauport à 2989, fait qu'on est à peut-être 200 $ de plus, 10 % pas tout à fait, et 3600 pour Bois-Châtel. Fait que je pense que ça se compare. La charge nette par 100 $ de RFU, bien, vous l'avez là, elle est haute, 1,74 par rapport à 1,15 à MRC, versus les autres, là, 96 sous ou 1 ou 1,30 $. Mais tout ça est fait rapport avec la RFU. Fait que si nous autres, on a une RFU de 760 millions versus 1 million presque 300 pour Lac-Beauport, 1 252 pour Tewksbury-Stoneham, bien, ça a une influence. OK? Fait que nous, on a majoritairement du résidentiel. OK? Il n'y a pas beaucoup, j'ai pas vu de grosse industrie ou commerce, là, important, majeur. Fait qu'à ce moment-là, c'est ce qui explique un peu la différence. Fait que ça, c'était la dernière page pour vous donner un peu un ordre de grandeur et vous situer par rapport aux autres municipalités. Fait que pour ma part, c'est tout. S'il y a des questions, avez-vous des choses à ajouter, messieurs? Non? Bon, merci, Monsieur Charron. Alors, on va passer justement à la période de questions. Donc, j'invite les gens à poser une question et une sous-question. Comme à l'habitude, vous avez un moment de 5 minutes chacun. Bonjour. Un, deux, un, deux. Alors, juste me rappeler votre nom, adresse. Yves Cossette, Ville de Québec, propriétaire d'un lot forestier, Saint-Brigitte-de-Laval. J'ai une question assez vite, là. Mon conseiller, c'est quel district au bout de la rue Hautelaire, savez-vous? C'est Louis-Georges. Cinq. Cinq, c'est bon. Okay, j'aimerais ça vous reparler. J'ai un article, j'ai deux articles finalement, c'est des commentaires, j'ai besoin de vous par rapport à deux articles. Un qui est paru récemment concernant les analyses de contaminants dans les puits d'eau privés. Là-dedans, c'est vraiment dit que les experts de la CMQ ont fixé un seuil 3 fois inférieur à celui déclaré, celui de Santé Canada. Fait que volontairement, là, ces gens-là on fixait une limite 3 fois inférieure par rapport à Santé Canada. Fait que je me demandais si vous le saviez. Puis, vous pensez que c'est normal que ces gens-là se permettent là, de faire paniquer le monde avec ça. Là. Oui, on est au courant de ça. On a même effectué, nous, un suivi avec l'organisme des bassins versants de la Montmorency. On a rencontré les deux experts de l'organisme des bassins versants de la Montmorency et c'est pour ça qu'on a demandé d'obtenir les résultats d'analyse parce que, justement, on avait des petites réserves là, à cet effet-là et on voulait pouvoir approfondir avec les deux experts, là, Païs Maillot? De l'OBV et Jean Landry. Donc, oui, on les a rencontrés avec les données préliminaires. Toutefois, nous, on va avoir les données qui sont disponibles à la CMQ. Dans la résolution qu'on a passée ce soir, c'est ce qu'on demande et c'est ce qu'on avait demandé aussi dans la résolution précédente. Juste pour clore avec ça, là, on parle d'installation de lampes UV pour la décontamination. En passant, le ministère de l'Environnement, il y a quelques années, ne reconnaissait pas cette méthode-là pour la décontamination. Oui, puis je pense que ça prend un règlement spécifique, puis ici, on ne l'a pas. Deuxième article, c'est un vieil article de juillet. Je reviens un peu en arrière, là, de juillet 2016, concernant les mesures d'assouplissement du RCI. Là. Alors, juste pour vous rafraîchir la mémoire, moi, tu sais, j'ai pris des décisions dans mes affaires. Donc, les modifications proposées ici dans les zones 1 et 2, là, qui était au mois de juillet, c'est construction permise sur route privée et publique. La présence d'un réseau d'aqueduc n'est plus obligatoire.
Troisième, à l'intérieur d'un périmètre urbain, une nouvelle construction doit être érigée sur un terrain minimum de 1000 mètres. Ça, je pense que ça a été abaissé récemment. Aucune installation septique dans une bande de protection de 120 mètres. Maintien du couvert végétal. Puis à l'intérieur du périmètre urbain, conservation d'un couvert végétal de 50-60%, etc. Puis à l'extérieur du périmètre urbain, conservation d'un couvert végétal de 50%. Moi, je vais juste vous dire là, que quand j'ai lu ça au mois de juillet, puis j'ai rencontré les gens, plein de gens, là, vous savez, là, tout ce que j'ai fait là-dedans, ouais. Là, tu sais, il n'y a jamais été question des assouplissements qui ont été adoptés au mois de décembre dernier, puis signés au mois de février. Je voulais juste vous faire part de ça, là, parce que, tu sais, dans le fond, les seules communications, moi, c'est les journaux qui me les amènent au Facebook ou peu importe. Fait que, mais là, moi, je sais que vous êtes actuellement en communication avec le service de l'urbanisme. J'ai vu passer des courriels. Oui, mais ça, c'est parce que j'ai eu ma leçon. Oui, mais vous avez eu vos réponses aussi de la part de M. Boutin. Oui, les réponses, oui, ça, c'est une affaire. Il y a des réponses. On n'embarquera pas là-dedans à soir, là, parce que c'est un cas peut-être particulier. Oui, c'est un cas particulier, mais si vous voulez, M. Cossette, à la fin de la séance, allez-vous-en pas trop vite, parce que souvent, vous quittez, puis j'aimerais ça pouvoir, justement, ouais, là, vous en parler. Comme j'ai déjà dit, j'aime pas trop passer à la TV. Hein, oui, je le sais, ça, mais là, on ferme la TV après la séance. Peut-être un dernier commentaire là, par rapport à la Fédération québécoise des municipalités, Fonds verts, etc. Moi, je pense ouais. que... Avant de mettre de l'argent là-dedans et du temps, là, on devrait peut-être régler d'autres problèmes, peut-être plus urgents. On le fait aussi. On le fait aussi, monsieur. Merci. Cossette. Merci. Bonsoir. Normalia Carini, 245 Sainte-Brigitte. En fait, j'avais une petite question. Si j'ai bien compris, en début de séance, mais en tout cas en cours de séance, il y a eu une résolution à l'effet que vous adoptiez une résolution pour un emprunt pour combler une partie du déficit. Oui. Ma question, c'est, il me semble, là, je ne mettrai pas ma main à couper, mais il me semble que dans le passé, on a déjà utilisé le fonds de réserve pour combler des parties du déficit. Pourquoi on ne peut plus faire, pourquoi vous ne faites plus ça, étant donné que, si j'ai bien compris aussi, on a une réserve de 1,7 million. Pourquoi il faut aller emprunter encore de l'argent, étant donné qu'on aurait ce fonds de réserve? Bien, c'est la question aussi qu'on s'est posée. C'est une très, très bonne question. Soit dit en passant, on a eu un avis juridique la semaine dernière à cet effet-là parce que, oui, effectivement, on voulait utiliser le fonds de roulement. Et on s'est fait dire qu'on ne pouvait pas faire ça. Donc, ce qu'on fait, on fait un règlement d'emprunt pour venir combler ce fameux déficit-là qui va nous permettre par la suite de vendre les terrains et de rembourser cet emprunt-là. Puis, ce qu'on s'est fait dire par les vérificateurs aussi, que le fonds de roulement est à 744 000. C'est vrai. Moi, là, personnellement, je préférais aller chercher cet argent-là, à cette place-là, plutôt que d'emprunter. Sauf que, semble-t-il, que légalement, on ne peut pas le faire. C'est bien ça, Mme la greffière, on a demandé un avis juridique. Là. En fait, si je peux me permettre d'ajouter, Mme la Oui. Suivant la fin de l'exercice, donc à partir de 2017, d'aller combler le déficit à même le fonds de roulement, d'où la raison de l'émotion. OK. Ça veut dire que dans le passé, on le faisait et c'était légal parce que c'était fait avant, avant telle date. OK. Une autre chose, j'étais un peu surprise de savoir que la vente des terrains, il y a une partie de la vente des terrains qui était prévue pour des dépenses. J'aurais pensé que de la vente de terrain aurait pu permettre des investissements plutôt que des dépenses. Oui, le budget 2016 a été planifié comme ça.
Alors, je me souviens très, très bien qu'on avait planifié ce budget-là justement pour éviter à avoir à augmenter les taxes ou à faire des augmentations de tarification au niveau des citoyens. Donc, on n'a pas eu à augmenter. On n'a pas eu à faire d'augmentation pour cette année-là, mais on sait très bien que cet argent-là existe, il est disponible sous forme de terrain. C'est un peu comme une hypothèque, autrement dit, là. Mais on va devoir espérer pouvoir conclure cette vente-là, ce qui va faire en sorte que on pourra rembourser le fameux prêt le plus rapidement possible. Okay. Donc, le budget de l'année actuelle n'est basé sur aucune vente de terrain, est basé seulement sur les revenus de taxation et les revenus de tarification. Donc, on sait pertinemment qu'on n'a pas à se fier sur une vente ou quoi que ce soit. Prudent, ouais. Donc, puis ce que je veux spécifier aussi, c'est qu'on pourrait dire « Ah, il y a eu un laisser-aller au niveau des dépenses », mais ce n'est pas du tout ça, parce que à chaque mois, on faisait le suivi avec la trésorière, avec le directeur général, M. Thomassin est là pour en témoigner. On avait les états financiers, les états comparatifs. Et au niveau des dépenses, là, les dépenses ont été vraiment vérifiées là, et scrutées à la loupe. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai remarqué qu'il y avait eu une réduction de dépenses en termes d'administration générale là, d'environ 180 000 $ administration dans le, au niveau des charges. Là, l'administration générale, vous aviez prévu 2 millions. Et vous avez dépensé à peu près 1,8 million là. Donc, il y a une différence de 180 000 $ là, de dépenses en administration générale. Est-ce que c'est une... je me demandais si c'était une réduction de personnel. Est-ce qu'il y a eu des diminutions là, au niveau de la masse salariale? Qu'est-ce qui explique cette diminution? On a eu tellement de questions et réponses. Là. Celle-là, je ne m'en souviens plus. Peut-être que Dominique pourrait nous répondre. En fait, le montant qui était budgété à cet endroit-là, et c'est le montant qui apparaît là, de remboursement de dette à long terme de 350 000. C'est juste une question de, au niveau du budget. Il n'y a pas eu de structure de poste. Parce que moi, ce que je vois, c'est administration générale, budget 2016, 2,059 millions. Et quand je vois le réel, oui. Je vois 1,8 million. 1,8 million, c'est ça, mais... Monsieur Fortin, vous avez la réponse à la page 21.1. La diminution, là, c'est au niveau du service de greffe et application de la loi. OK? On avait un budget de 568 005 et le réel, son vœu était... 368 321. Donc, c'est là la diminution, si on veut, l'économie, qui est au niveau du greffe et application de la loi. OK. Merci, Louis-Georges. Merci. Merci. Bonjour, Mario Drelette, rue des Neiges. Pour faire suite. Oui, rue des Neiges, j'avais été éprouvé, vous, hein? C'est-tu vous, cette semaine? Ouais, 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 ouais. Oui, ben, hein? Pas moi, là, mais moi, j'étais correct. Non, OK. Si vous voulez avoir une petite vidéo, il est disponible. Bien, je l'ai vu. Vous l'avez vu? Bien, en tout cas, le DG m'a envoyé ça, là. Alors, moi, c'est pour rester dans le domaine des eaux. Oui. Et puis, je suis content qu'on ait des analyses d'eau. Je suis content qu'on va avoir des résultats. J'espère qu'ils vont être publiés sur le site, mettons, de la ville, là, quelque chose de genre. On aimerait ça, nous ouais. aussi. Moi, je reste à la problématique que je ne sais pas comment faire pour empêcher qu'on mette du sel dans le secteur nord, dans les camions quand ils font l'épandage du sable et du gravier. Je trouve que la quantité de... mettons, du calcium ou du sel pour dissoudre est plus grande qu'avant. J'ai parlé à l'entrepreneur. C'est notre fournisseur qui est de même, mais j'aimerais ça que la ville interdise totalement l'utilisation du sel de déglaçage
dans le sable et dans le calcium, qui changent leur mécanisme pour l'étendre, là, ou pour pas que ça reste pris dedans, mais j'ai peur qu'un jour que nos puits deviennent contaminés. Ouais. S'il y en a beaucoup qui le sont, on est semblerait, très, très là, je ne sais pas si c'est vrai, là, mais on est très ça m'inquiète beaucoup, beaucoup, parce que nos puits sont quand même proches de la route. Il y en a qui sont loin, mais il y en a qui sont sur la route. Il faudrait que la ville, dans les contracteurs, les sous-contractants, l'interdisent, trouvent un autre moyen, sinon, bien, qu'ils changent de job. Je suis certain qu'ils sont capables de faire ça. On a confié ce mandat-là au directeur des travaux publics, effectivement, parce que, justement, on a vu des alternatives, là. Quand on va en congrès, on les voit, nous autres, les fournisseurs. OK. Puis il y en a des alternatives, il en existe, donc on a demandé C'est la qualité de notre eau qui est extraordinaire à Sainte-Brigitte. Il faut la garder. C'est la meilleure eau au monde. Fait que... Tout à fait. Bon, c'est vrai. Beaucoup. Je vote pour ça, moi. Oui, ça marche. Je vote pour ça. Ah, OK. Ils sont tous organisés. Bonjour. Marlène, 124 rue La Branche, secteur nord aussi. Pardon, Marie? Marlène. Oui. Marlène. C'était parlé cet automne, je pense. J'étais venue. Je vais faire suivre au monsieur aussi pour la qualité des eaux. Si vous voulez voir des puits contaminés, vous allez venir chez nous si vous voulez. Ça fait des années qu'on se bat. Ça fait des années que j'appelle monsieur Boutin. Ça fait des années qu'on appelle le directeur des travaux publics. On se fait renvoyer. On se fait dire qu'on est des fous. Donc, on aimerait être plus sérieux. L'avez-vous fait analyser, vous, dans oui, les... Oui, on est contaminé de plus en plus. On a fait changer un puits. On est à plus de 100 pieds de profondeur. On devient contaminé de plus en plus aussi. On arrête la gratte sur le bord de la rue. On vérifie ce qu'elle a. Elle a du sel. Des motons glacés de sel. Il y a du jus de betterave. Il y a vos réserves ici, là. C'est du sable que vous avez égravié. Comment ça se fait qu'on retrouve du sel en grosse quantité là-dedans? Ça, c'est pas normal. J'ai été me renseigner, j'ai écrit à l'environnement. Ils m'ont dit que normalement, les municipalités, vous n'êtes pas encore obligés d'avoir ces façons de faire. Ils vous proposent de les faire, sinon il y aurait trop de municipalités qui seraient un petit peu en échec de ça. Vos réserves de sel doivent être renfermées, doivent être dans des endroits imperméables, plus d'eau qui va dessus. Moi, j'ai des photos, là. Votre sel, il est mélangé dans votre réserve de sable. Et c'est à ouvert. Donc, ça déborde du petit toit que vous avez, l'eau qui peut s'infiltrer là-dedans. Vous dites que vous faites attention à ça, là. Mais dites-le aux personnes qui travaillent aussi. Parce que eux, là, que ça fait des années qu'ils sont là puis qu'ils ont juste envie d'avoir leur régime des rentes à la fin, là, ils n'en ont rien à foutre de nous. Oui, mais là, on n'embarquera pas dans ces détails-là, madame. Mais regarde, c'est une période de questions. Ils nous écoutent pas, nous, on est des citoyens. Mais là, ça, je trouve, sincèrement, là, ça, c'est un manque de respect. Puis j'embarquerai pas là-dedans. Et eux, ce qu'ils nous font chez nous, notre eau... Madame, regarde, je vais vous arrêter tout de suite. Votre question concerne le sel. Oui. On a déjà pris... C'est pas une question, en fait. C'était pour faire suivre monsieur. OK. Là, mais c'est quoi votre question, d'abord? C'est pas une question. C'était pour savoir comment on fait. Ah, mais vous n'avez pas de question. Bien, j'ai le droit de prendre la parole quand même. Je suis une habitante. Non, c'est une période de questions, madame. Oui, mais moi, j'ai une question. Bon, je vais faire une formulation d'une question, si vous voulez vraiment une question. S'il vous plaît. Comment il faut faire pour proposer à la municipalité des nouvelles façons? On est en 2017, vous savez, une ville qui se réinvente, on est une nouvelle ère, là, comme vous savez le dire. Là. Il y a d'autres alternatives au sel. Avez-vous écrit à la municipalité ou vous avez seulement parlé ou écrit, M. Boutin, on a envoyé des emails. J'ai été à la municipalité, j'ai appelé. Le monsieur qui travaille ici aussi, j'ai communiqué avec. OK. Bon. Je l'ai fait. Et là, ma question, c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Parce que on a comme l'impression que c'est beau les blabla dire qu'on se réinvente et qu'on fait des progrès, là. Bon, mais là, madame, insultez pas la ville, madame, là. Si vous ça, non, gardez, vous pose une pas. Question, puis... C'est quoi, tu sais, embarquez pas dans les insultes, parce que je ça donne rien, pas, là, madame. Là. Si vous prenez ça personnel, c'est pas rien. Mon problème. Moi, je le là. Prends pas personnel, c'est pour la ville. Okay, tu sais, c'est la ville qui se réinvente. Ça vous insulte, vous aussi. Non, non, mais regardez, moi, ce que je veux vous dire, là... Laissez-moi répondre à votre question. Non, ça va être moi. Madame, laissez-moi vous répondre, parce que vous... Bien, j'ai pas posé de question encore. Ben oui, vous m'avez posé une question, vous voulez savoir qu'est-ce qu'on fait. Non, non, mais c'est ce pas ça ma fait... question, madame. C'est quoi les étapes qu'il faut vous poser un projet, un document, je sais pas, monter de A à Z pour changer cette application, bon. Puis que vous nous écoutiez? Je vais vous répondre très, très facilement. Je pense que la meilleure voie à prendre, c'est la voie du comité d'environnement qui nous propose des modifications, dont notamment, tantôt, M. Lemieux en a parlé. Il y a le plan directeur de l'eau qui va être intégré au plan d'urbanisme. Il y a des façons de faire. Donc, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de prendre contact avec M. Lemieux
pour que ce soit soumis au comité. Puis à l'intérieur même du comité, on a des gens qui sont très, très expérimentés en la matière. Il y a des gens qui travaillent dans d'autres MRC, qui sont en environnement dans d'autres MRC, qui ont de l'expertise, donc qui peuvent contribuer grandement, justement. Puis, au niveau des puits, plus particulièrement, là, vous voyez, on en fait analyser encore 500, donc 250 au printemps, 250. Puis moi, je vous invite là, à les faire analyser parce que ces analyses-là sont encore plus poussées que celles qui sont offertes par Environex là, une fois par année à la Journée de l'environnement. Donc, sincèrement, la meilleure voie à prendre, bien, c'est de contacter M. Lemieux, soit par écrit, par téléphone ou à la fin de la séance ce soir. Je suis sûre que ça va lui faire plaisir. De vous rencontrer. Parfait, merci. Puis ma deuxième question, on aura deux. Ah, vous avez une autre question, allez-y. Vos sujets de reboiser, Sainte-Brigitte, que vous offrez les gros arbres. Oui. Je voulais savoir, c'est quoi les services, le service complet, là? Tu sais, qu'est-ce que vous donnez à disposition aux personnes pour ceux qui choisissent de prendre cet arbre-là? De prendre cet arbre-là, bien, en fait, l'arbre, tout d'abord, il va être livré à la propriété, parce qu'on sait que c'est quand même une grosse motte, là, excusez l'expression, là. Mais c'est un arbre quand même d'un gros calibre, donc il va être livré. Puis par la suite, il y a, à la ville, on a deux horticulteurs qui travaillent pour la ville, et il va y avoir des services conseils de ces horticulteurs-là qui vont être aussi sur place la journée du 27 pour donner les informations. Puis c'est M. Proulx hein, qui s'est occupé, qui est ingénieur forestier, qui s'est occupé du dossier. Donc, peut-être, Marc, tu peux apporter d'autres précisions là, au niveau des suivis. Effectivement, les gens vont pouvoir choisir ce qui leur convient. Il y aura un dépliant qui va être remis lors de la livraison de l'arbre. Mais les citoyens qui désiraient avoir plus de conseils, il y en a pour certains qui sont déjà familiers et habitués. Puis dans ces cas-là, on va s'ajuster, mais si les gens veulent avoir un accompagnement par rapport à l'emplacement, par rapport au, lors de la plantation, des choses à faire attention, bien, effectivement, nos horticulteurs et horticultrices vont offrir là, ce service ou cette rencontre-là pour aider les gens qui le désirent. OK. Et le service, OK, mais pour la plantation, comme vous dites, c'est une grosse motte, c'est très lourd, j'en plante assez souvent. Et Sainte-Brigitte, on sait qu'on est dans de la roche. Donc, une petite pelle à main, c'est dur pour une petite famille. Hein? Est-ce qu'il y a une aide qui est proposée? On a des pelles mécaniques ou il y a un service avec des personnes? Est-ce qu'il y a un suivi là-dessus? Ça, c'est prévu. C'est à la charge du citoyen là, par rapport à l'excavation de la fosse. C'est sa responsabilité. Donc, en plus... Il n'interviendra pas avec de l'équipement sur un terrain privé. Donc, en plus de la... Je pense que c'est 25 % ou 50 % que... 50 % de la valeur... Qu'ils doivent payer. Mais ça, il le sait avant de le commander. Ben oui. OK. Ben oui. OK. Oui, vas-y. Tu reprends ça? Oui. Ça, c'est dans le cas d'un arbre mature. On parle, là, on parle d'une grosse motte. Oui, je parle des mottes, là, pas des petits. Ça, c'est pas tous les villes qui ont un arbre mature comme ça qui est offert à ce prix-là. L'autre chose qui arrive le 27, il y en a des arbres qui sont donnés, offerts, qui sont ça gros. Okay. Une pelle, ça grosse, on fait un petit trou pour mettre ce petit arbre-là, puis plus tard, il deviendra mature. C'est dans le cas de quelqu'un qui veut vraiment avoir un arbre qui va être très gros tout de suite à la base. Là, il y a des frais pour au moins le trou et la moitié de l'arbre. C'est bon. Mais si on se renseigne bien, la Ville de Québec l'offre gratuitement chaque année à tous les citoyens, si jamais vous voulez savoir aussi, un arbre mature. Avec la plantation, avec la protection, avec tout. Oui, ils ont plus de taxes. Oui, mais c'est normal. Mais là, on n'embarquera pas là-dedans, là. Tu sais, je veux dire... C'est pas un rapport d'argent ou ça, c'est un rapport... Chaque ville a ses façons de faire. On a compris. Merci. Ben oui. Merci. Merci, madame. Boutet, hein? Qui après l'interdit... Boulet? Ah, OK. C'est pas pareil. Mais c'est pas... Il appartient à la ville. Ah oui, il est en bordure de l'embrise. Donc, ça appartient pas aux citoyens, là. Et voilà. Alors, on va passer au point suivant. Levée de la séance. On va passer au vote. Pour. 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 Pour.